Hello tout le monde, c'est Night, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Atlas, l'épisode de Bill Bocci, épisode numéro 8 il me semble, hein, si je me gourre pas, j'ai perdu le fil, hein, je sais plus quel épisode on est, mais il me semble que c'est le 8. Hein. Donc du coup, les aventures de Bill Bocci, on est bien arrivé sur la région... Ah, je suis en train de crever, c'est super. Nous sommes du coup la région South America, je me suis postiché vite fait sur cette île-là, une île qu'on avait déjà visitée. Une île que j'aime beaucoup, mais malheureusement au niveau des ressources c'est pas comme comme avant, genre c'est assez aléatoire. Putain, je suis en train de trouver. Merde. Ça commence bien. Je me suicide. Faut que je me suicide. Vas-y, bouffe ça, tiens. Hop, on va manger ça vite fait. Ouais, une île qu'on avait déjà visitée et au niveau des ressources c'est vraiment pas fou. Hein. Genre je suis assez déçu au niveau des ressources. Donc du coup là l'objectif, ce qu'on va faire, c'est chercher une région. Home server, non, surtout pas. Respawn an RBY. RBY. RBY plutôt. Tac, on récupère notre stuff. Alors, on s'active ça. Hop. Tac, les bots. Et donc, du coup, ouais. On va enlever ça. Disponible. Les mecs là ils sont tous bien, ça va. Alors ce que j'ai fait, c'est que pour les bots, au niveau du paiement, j'ai augmenté un peu le temps de paiement. Là il dit combien? Toutes les 21h. Et en fait pour ça il faut un skill, c'est dans Captain, ouais, et c'est celui-là. Cheaper Crew. En fait ça, c'est l'intervalle en fait, voilà, ça augmente l'intervalle de la période du paiement. Donc là c'est plus 10%. Et celui-là plus 10%, et j'ai pris aussi celui-là plus 15%, parce que genre sinon vous allez payer les mecs, ça va coûter trop cher. Lui il commande, bon, il coûte une pièce, tu vois, genre un gold ça va. Je crois qu'ils sont tous au même level, donc c'est un gold. Et pour éviter qu'ils nous ruinent, tu vois, les bugs là. Attends, 900, ouais, j'ai 988 gold, faire très attention. J'ai oublié de vous préciser, je sais pas si vous voulez mentionner, mais il faut les nourrir les bugs aussi. Hein. Ici, grâce à ce truc là, vous mettez de la nourriture dessus pour l'instant, bah, j'ai que du basil. Vu que sur cette île elle est pauvre, il n'y a même pas de berries, il n'y a rien dans cette île. L'île elle est pas ouf. J'ai tamé deux petits monkeys vite fait en off. Bon, c'est un timing, c'est simple, hein, c'est du passif. Vous mettez des berries ou autre chose. Il me restait des berries hein, hier, ouais. Donc du coup, vous mettez des berries, vous leur donnez des berries. Et vous pouvez les tamer. Donc tu vois, je l'appelais Chuck. Qu'est-ce que tu as? C'est Jack. Donc des singes qui te donnent un buff quand ils sont sur toi. De régénération de santé, donc c'est très 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 bien quoi, genre c'est très très bien, c'est très très pratique surtout. Donc du coup la touche, il me semble, pour les poser c'est, oh putain je me rappelle plus, c'est E je crois, dans WF, voilà WF. Hop, tu les postiches ici. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout ce que j'ai fait en off, j'avais pas beaucoup joué de toute façon. Ouais, je m'étais postiché ici. L'eau elle, ici elle est magnifique, hein. Putain, j'aurais tellement me, putain, ça me fait chier hein, de pas être installé ici. Hein. La couleur de l'eau quoi. Bah 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 bah. Bon alors objectif, ce qu'on va faire. Oh, en plus on a un beau vent, j'avais même pas fait gaffe. Alors comment je peux vous montrer ça? On part sur le wiki du coup. Comme ça, ça vous montre un petit exemple de comment on fait. Moi ce qu'il me faut c'est des gemmes, tu vois. Tu tapes dans la recherche gemme. Paf. Gemme. Et voilà, il m'a mis les gemmes. Et là il nous donne toutes les gemmes. Donc on est d'accord, on a toutes les gemmes ici. Nous, ce qu'on va voir, on va essayer de voir, par exemple, diamant. On va le copier. Et on va le mettre dans la barre de recherche de l'autre site, la map interactive, du coup. On copie-colle, hop, on appuie sur entrée. Et diamant, il n'y en a pas, apparemment, il y en a ici. Mais à mon avis, peut-être que c'est peut-être pas mis à jour, ça. Pourquoi il n'y a pas de diamant? Bizarre, on va voir une autre source. L'émeralde, il n'y en a pas beaucoup. Tac, pareil. Hop, on copie-colle. Hop, on appuie sur entrée. Et donc, du coup, voilà, ça nous met des points rouges. Toutes les îles où il y a de l'émeralde, ouais. Donc, du coup, nous, on est ici. Hein. On est ici en A6. C'est A6. C'est écrit en tout petit. Donc, du coup, il n'y a pas du tout d'émeralde dans cette région de South America. On va essayer de voir une autre ressource. Du coup, on va essayer de voir le garnet, peut-être, maybe. Contrôle C. Hop. On met ça ici. Garnet.
Carnet, ça marche pas non plus. Ouais, peut-être, ouais, il manque peut-être des trucs qui sont peut-être pas à jour ou le. C'est peut-être la recherche qui marche pas, je sais pas, c'est bizarre. De l'opale, on va voir, de l'opale. Normalement, c'est censé être mis à jour. Ok, l'opale, il y en a pas mal. De l'opale, on a ici, du coup, opale, on a 52. 52, ça veut dire qu'il y en a très peu sur l'île. Ici, on a 25, c'est pas beaucoup, c'est encore moins, c'est la merde. Opale, 172, ça peut être intéressant. 93. Ici, 91, il n'y en a pas beaucoup. Ici, 158, ça peut être intéressant. Et là, 95, donc ici, ce serait peut-être intéressant d'aller chercher de l'opale. En plus, il y a du quartz. C'est ce qu'il nous faut, hein, de l'opale et du quartz. Donc, pourquoi pas faire un trajet comme ça? Dans les trajets, c'est comme ça, avec ce truc-là. De cette île-là à ici. Voilà. Ah, il fait pas le. Pourquoi il me fait pas le trajet? Ok, tant pis. Non, en fait, c'est relou, là, je crois. Voilà. Donc, du coup, ouais, on va quand même regarder l'autre. Les autres, plutôt. Rubis. Rubis. Peut-être qu'il y en a plus, hein. Déjà, l'opale, c'est plutôt pas mal. Hop. Rubis. Ah, il y a du rubis ici. Il y a du rubis ici. 10. Ah ouais, autant dire que va le trouver le rubis. C'est impossible de le trouver, à mon avis. Et le sunstone, je crois que j'en ai jamais looté de la sunstone. Hop, sunstone. Waouh, sunstone, ouais, il y en a très peu. Hein. 6. Waouh. Sunstone ici, là. 6. Ouais, ça, c'est des ressources ultra rares. Hein. Autant les acheter dans un freeport, je pense, à mon avis. Donc là, on va se tourner sur l'opale, je pense. L'opale, et là où il y en a le plus, là où il y a eu du quartz en plus, 158. Voir s'il y a un truc plus proche. Ah, mais là, il n'y a pas de quartz. Ah, 623. 93, ouais, mais c'est peu, hein. 72. On peut peut-être aller voir cette île-là, juste à côté. En B6. Let's go. On se barre d'ici. Il y a un bon Zef. On est plutôt pas mal. Ah, oh, ça fait plaisir d'avoir les bottes aussi. Archi bien les gars. Oh, il faut. Oh, il y a tellement de choses à faire. Donc, on va voir aussi sur le chemin si on trouve des caisses. Des caisses sous-marins, des trésors sous-marins à looter, à voir. Parce qu'il y a une quête, je crois que c'est un trésor de plus 15. Plus 15. De qualité 15. Qui va nous permettre de débloquer le. C'est à droite, on doit aller à droite. De nous débloquer la quête, on verra. Ça, c'est rare, hein. Et si on trouve un petit bateau damned, voilà, en vite fait, peut-être qu'on pourra essayer de se le taper un petit peu. J'ai des boulets, j'ai tout, hein, j'ai tout ce qu'il faut, les munitions. J'ai plus de 100 boulets, ça devrait suffire pour 2-3 bateaux. On est comment là? Donc c'est cette île-là, en B6. Elle est plutôt pas mal, elle a l'air d'être grosse. Mais ça ressemble à l'île où j'étais installé dans. Je crois que j'étais installé là, non? Je sais plus si c'est île-là ou pas. Ça me rappelle l'île de mon ancienne série. Une île qui était assez stylée en vrai. J'avais trouvé un coin, mais bah, y avait une cascade aussi. C'était pareil. Je suis un amoureux des cascades, moi. Cette île-là, elle est vraiment belle, mais j'avoue que les ressources dedans sont assez pauvres. Genre, c'est vraiment pas fou. Il y a des mecs qui sont quand même installés, tu vois. Ils se privent pas. Mais. Ça les empêche pas de s'installer, mais bon. Je trouve pas ça ouf. Ok, peut-être un peu plus sur la droite. Ça va être comme ça. Alors, il y a pas mal d'items à crafter encore. Genre, j'ai pas crafté la longue vue. Ça pourrait nous servir aussi, mais il faut du quartz aussi, de toute façon. Il y a le sextant aussi. Qui donne un buff plutôt intéressant. Il faudrait que je vous montre ça. Alors, je me tâte. Est-ce que je vous laisse le trajet? Où est-ce qu'on papote un peu? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors ouais, je vais vous montrer vite fait peut-être les quêtes, à la limite. Les quêtes, on a les quêtes. Alors celle-ci, la vétéran. Alors vétéran passe 20 bonus des quests. Alors.
After the Things. Ah oui, le Arcee Demon, je sais pas. Ça me dit rien, le Arcee Demon. C'est qui ça? S'il donne des blazes, ça se trouve, je le connais, mais j'arrive pas à situer. Arcee Demon. Non, ça me dit rien. Donc, du coup, on a aussi. Alors, ça, explorer. Alors, ça, il faut finir déjà la première quête. Donc, c'est celle qu'on va faire. La quête Voyage of Power, récupérer. Donc, tuer tous les petits boss, les 9 boss. Pour récupérer les pierres et les poser aussi. Treasure Master Skill. C'est quoi ça déjà? After Competition Treasure Master. Ça, il faudrait qu'on regarde justement dans le Atlas. Ici, on va voir. Le Ghost. Ça aussi, on va le faire aussi. Hein. Le Ghost Ship là. For all treasure, attends, est-ce que c'est ça moi? For all treasure that you dig, boost. And after completing Ghost Hunter, ouais, c'est ça. C'est quand on aura niqué le machin. After completing Source of Damned, ouais, donc du coup, ça c'est pareil, c'est des quêtes qu'on va que je vais vous expliquer après. Dans la map, avec la map Atlas. And after completing Friends, Mermaids. Je sais pas c'est quoi ça. Ça me dit rien. Donc ça c'est la baleine, je sais qu'il y a deux baleines à niquer. Donc la Blue Whale, je sais pas comment ça se prononce. Celle-là je l'avais déjà pas, je l'ai jamais faite celle-là, mais j'avais fait celle-là. La Sperm Whale Killer, celle-là j'ai déjà faite. Donc du coup il y a deux baleines, il y a le Squid Killer, c'est quoi déjà Squid Killer? C'est un truc avec les tentacules là. T'as une énorme bestiole sous l'eau. La fontaine de jouvence aussi, donc qui nous donne 3 buffs. Quoi, qui nous donne un buff, mais qui est accentué après, genre qu'on le renouvelle. Donc très important aussi, on va faire à partir, je crois que c'est à partir de 90 ans quand on est vieux. On a un debuff justement vu qu'on est vieux, donc du coup on doit partir à la fontaine de jouvence. C'est une galère. Je vais vous montrer, c'est faisable, mais c'est un peu chiant au début. Qu'est-ce qu'on a ici? Vétéran, explorer. Ah ouais. Ouais, ça on verra après aussi. Averse Boost, et ça c'est quoi? Compétition Master Catastrophe. Donc du coup, voilà, parce qu'ils expliquent pas les machins, ils disent qu'il y a les trucs ici. En fait, ça c'est là où on dit les buffs qu'on gagne, en fait, je crois. C'est ça, ouais. Ici, c'est. Si vous voulez savoir les buffs que vous gagnez, c'est ici. Et sinon, les quêtes, voilà, c'est expliqué ici. Donc du coup, là, on doit battre tous les boss pour aller après à la Center Mo. C'est-à-dire pour aller niquer le Kraken, ici la fontaine de jouvence, qui sont marquées sur la carte, hein. Je ne voulais pas préciser, mais ici, vous avez les pierres, genre là il y a pierre numéro 2, par exemple la fontaine de jouvence, on va ici, et ils sont ici, elles sont notifiées. Treasure Master, voilà, il faut déterrer un trésor de qualité 16, minimum. Pareil, ça je pense que bah qualité 16, je crois qu'avec les masters, d'ailleurs j'ai trouvé en off, une masterwork, une carte violette du coup, mais pas en boosted. Donc du coup, on va pouvoir la faire celle-là. Ça va être très intéressant. On va voir si on peut la faire avec la strat du swivel et les pancartes et tout. Donc le ghost hunter, ouais, donc, du coup, le ghost ship, il se balade ici en I6. Il a un chemin. Il faudrait voir. On verra ça plus tard aussi. Mais un truc qu'on va faire. Hein. De toute façon, on va essayer de tout faire. Hein, j'ai envie de vous dire. Ça, il faut niquer un bateau Damned, un galion. Donc les bateaux rouges, les gros bateaux rouges Damned, level 50. Ça aussi, j'ai hâte de le faire. Ils sont assez rares, quoi. J'en ai pas beaucoup trouvé. Ici, on va augmenter vite fait que j'y pense. Je crois que c'est extra crew, ouais. Là, on est à 14 sur 16. Ouais, on a gagné 17. Ouais. C'est pas fou parce que on va devoir mettre des bottes aussi sur les deux côtés du bateau pour les canons. Il y a 6 de chaque. Donc il faut que je fasse de la place, hein, sur le bateau. Alors notez-vous, du coup, friend, alors interact with the friendly mermaid, ça je sais plus ce que c'est, je me rappelle pas du tout. Est-ce que c'est marqué sur la map? Non. C'est pas les sirènes, ça, je crois qu'il y avait pas un délire avec des sirènes, je sais pas. Donc les blue wall, ok, squid killer, c'est pareil, c'est sous l'eau. Attendez, je voudrais que je regarde, ouais, j'ai pas envie de me taper un bateau en pleine gueule. On pourrait se taper en vrai un galion comme ça. Attends, on va voir. Ah, mais il y a le vent. En vrai, non, vous savez quoi? On va direct aller sur l'île vu qu'on a le vent. J'ai pas envie d'être baisé par le vent. On ira taper le bateau après, les bateaux après. Parce que c'est vrai que le vent, c'est très important. Et vu que là, on a un Zef assez énervé,
Vétéran explorateur, alors acquis après 25 discovery points. 25% of discovery points. Donc je pense que c'est après avoir découvert peut-être 25 îles, peut-être. Faut faire des découvertes d'îles, je pense. Bah, c'est sûr, c'est ça, mais après le nombre, je sais pas, 25%, j'ai peut-être 25 îles, je dirais. C'est une connerie, je sais pas. Au niveau de la direction, parce que attends, là, genre, je pars un peu. Et ouais, c'est plus sur la gauche, hein, frérot. Like this. Du coup, journée. Alors, attends, ça. After completing voyage of power, travels enough essence point and bring them. Ouais, donc ça, c'est le Kraken. Ah non, 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 attends, attends, j'ai dit une connerie, ça, c'est pas le Kraken. Ça, c'est après. Alors, attends, après avoir complété le. Donc, après avoir tué le Kraken, travel into deep trench. Ah ouais, ça, c'est quand tu vas sous l'eau, t'as aussi 9 pierres à faire sous l'eau. Ça, c'est un truc, bah, du coup, que j'ai jamais fait aussi. Hein, et bring them to so. Ah, donc tu dois les mettre aussi. Au center mode, tu peux invoquer deux fois le Kraken, ça veut dire, c'est ça? I don't know. Into the Eye, ça c'est un truc que j'aurais voulu faire à l'époque aussi. Genre, c'était le premier truc nouveau qui arrivait sur le jeu. Le premier nouveau contenu, j'ai envie de dire. Et même malheureusement, pour pouvoir le faire. Pareil, en fait, tous les gros trucs intéressants, ce qui est chiant sur le jeu, ce qui est pour moi un gros point négatif. C'est que t'es obligé de faire les 9 pierres de pouvoir, genre niquer tous les boss et le Kraken pour pouvoir débloquer les autres trucs, les autres contenus. Il y avait un truc juste à ma gauche là. Ah, putain, j'ai pas vu le. J'ai pas vu la qualité. Tant pis. Il faut faire les gros trucs. Mais en solo, c'est pas évident. Et puis même, genre, pour des mecs qui sont en groupe de 2, de 3, même. Faut pas croire. Genre, les boss, je dis pas que c'est infaisable, tu vois, mais. C'est galère, tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est compliqué. Il n'y a que les compagnies où genre ils prennent un plaisir à le faire parce que bah ils sont beaucoup, tu vois, donc c'est plus simple pour eux. Mais les personnes qui sont pas beaucoup, bah, on galère, tu vois. Donc c'est un peu dommage, je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu pour les personnes qui jouent solo. Genre, c'est pas. Quoi, le contenu il est le même, mais genre c'est plus difficile, quoi, vous avez compris. Ah, il pleut, c'est chiant. On va vite fait. Il pleut. On va open ça pour remplir le baril. Je suis à 2000 sur 4000. Ça lag de fou. Je sais pas pourquoi ça lag. Le jeu, il charge. Qu'est-ce qui charge le jeu? Aïe. Ok, on va attendre un peu. Hein. Énorme lag. Ok. Ok, il charge l'île parce que j'arrive en fait en plein sur l'île. Tout simplement. Il charge la putain d'île. Je crois que c'est celle-là qu'on doit aller. Hein. On va se rapprocher encore un peu plus. Paf, on met l'ancre. Je crois que c'est celle-ci. Hein. Laissez-moi voir. Ah, je crois que c'est celle-ci. Donc du coup, on était où? Into the Ice, donc du coup, ouais. C'est le nouveau contenu qui était le premier contenu, donc c'est une quête, une sorte de quête. On a une sorte de donjon dans les zones arctiques et tout. Je crois que c'est au pôle Nord peut-être, ou en Arctique. Et un donjon super stylé à faire, mais je connais pas, tu vois. Genre, j'aimerais trop le faire, mais je peux pas le faire, tu vois. J'ai jamais pu le faire. Donc prochain truc, c'est loot sunken ship treasure. Bah ça, c'est justement les sunken treasure. C'est ce sous l'eau qu'on va faire et on a aussi une quête dessus, donc qualité 16. Je pense que c'est la même chose que l'autre. Et master crown, ça c'est quoi? C'est get 40% class. Ah non, en fait j'ai dit une connerie. Tu vois, genre j'ai découvert 10 îles, c'est 1%. Hein, t'imagines? C'est que dalle. Hein. Donc ouais, pas hésiter à visiter toutes les îles, les gars. Pour pouvoir faire ces quêtes là du coup. Donc on a fait on a passé en revue toutes les quêtes, je crois que c'est bon. On va prendre du coup le Teddy. Ça, on va laisser se remplir du coup. Est-ce que je prends un petit singe sur moi? On n'a pas besoin là pour le moment, je pense que ça sert à rien. Et on va essayer de chercher cette opale et cristal, il me semble ici. Hein.
Je pense que ça doit être sur les montagnes. Il y a un petit snake ici, attendez. Je vais le niquer. Hop. Je vais regarder vite fait sur le site encore, ouais. Opal 172 et quartz 419. Au niveau des bestiaux, est-ce qu'il y a des bestiaux qui m'intéressent? Ah, il y a peut-être des girafes. Peut-être essayer de tamer une girafe aussi, on verra. Ouais, on va voir. Donc du coup, ouais, on va voir. On va essayer d'explorer cette petite île. Oh, petit monument là. Oh, c'est quoi ça? Oh, ça c'est des sortes de berries, je crois. Ah merde, putain, je suis descendu. Donc, du coup, j'ai le buff. Plein de trucs. On pourra prendre les berries là. Ok, nice. Ouais, sympa la statue. Alors là, le mec qui ferme quoi là? On a quoi du coup? De l'iron, bon, ouais, l'iron on a déjà chez nous, pas besoin. Le mec il a mis un panneau ici. Ah, il faudrait que je fasse. Ouais. On a des petits monuments et tout, c'est assez stylé. L'île a l'air sympa, hein. L'île a l'air grave sympa. On va voir, on a quoi ici? Rosemary. Ici, là, les champignons, on peut les prendre ou pas? Ouh! Ah. De l'opale. De l'opale juste ici, les gars. On va se mettre bien. C'est parfait, il nous en faut beaucoup. Hein. Je me demande, est-ce qu'on peut pas mettre. Ouais, je pense pas en vrai. Mais vrai, je mettrais bien un truc de farm ici, tu vois. Des gemmes, il nous en faut pas mal. Hein. On voit que dalle là. On met un peu de gamma. Ok, on voit rien. Ouh, petite girafe. Mais oui. On va se tamer une petite girafe ici aussi. Donc petite technique, je pense, je vais faire essayer de faire la même technique que j'ai fait avec le rhino, parce que du coup j'ai tamé un autre rhino, je crois, je vous l'ai même pas dit, je pense. Et j'ai retamé un rhino en off. Bon, c'est pas non plus compliqué. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez peut-être des tutos, ouais, sur le timing. On va récupérer du coup du bois. On va dire à Armoucho de nous suivre là. Là frère. Hop. Et ouais, j'ai un autre site à vous montrer aussi que j'ai découvert aujourd'hui. On va voir si c'est intéressant, si ça marche bien. Ah, il nous faut des bolas, mais des bolas. Ouais, il faut que je passe par le bateau, quoi. Ah, fait chier, je suis obligé de passer par le bateau. Donc. Du coup, ouais, dans la nourriture, on verra plus tard. Les bolas, j'en ai mis ici, j'en ai 4, mais est-ce qu'il va m'en... Ouais, je crois qu'il va m'en falloir plus hein, que 4. Hein. Est-ce que j'en fabrique pas un peu plus? J'en ai 4, on va faire 6 histoire d'en avoir 10, tu vois. 10 normalement ça devrait suffire. C'est ce que j'avais mis, j'en avais crafté 10 aussi pour le rhino. Et ouais, c'est au cas où, non, ça devrait le faire. C'est long à crafter ça. Donc j'ai un truc que j'ai oublié de préciser aussi, c'est le pour ce truc là. Ce qui compresse les items. Vous avez accès à ce truc là uniquement quand vous avez l'ancre lancée. Une fois que vous êtes en mer, vous pouvez pas accéder à ce truc là, donc faites très attention aussi à ça. Fermez toujours votre baril quand il pleut pas, pour éviter que l'eau s'évapore, donc du coup très important aussi à faire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas?
Oui, la hide, j'aimerais bien réparer mon arc cas où. Super. Tac. Et du coup, on est parti. Ouais, on est parti. On va les récupérer. Ah, il y a le truc aussi, c'est vrai que. Mais je pense que j'ai pas les ressources, il faudrait que je les farm. Pour poser le truc. Et puis à mon avis, je pense que j'aurais même pas la place. Les mecs, ils ont déjà tout pris sur lui, je pense. Mais j'aurais bien posé le truc, ouais, pour farmer les gemmes. Parce que les gemmes, il m'en faut beaucoup pour les grenades. Hein. C'est ce qui va nous servir à utiliser contre les boss, pour niquer les boss. Et du coup, voilà quoi. Alors, comme ça, je vais pouvoir en profiter de vous montrer le nouveau site qui a l'air pas mal. Ça peut servir en fait surtout pour le timing, quoi. Moi, je l'ai pris. Oh, il y a un truc de machin là-bas. Donc là, par exemple, on a une girafe level 7. Et du coup, si je vais sur le site qui s'appelle Globee, ouais, globee.dev, du coup. Moi, de ce que j'ai vu, je le connais pas du tout, le site. Hein. Du coup, je suis allé. Il y a breeding, c'est pour faire accoupler des bestioles et avoir des bébés, machin. Nous, on va regarder la section timing. Et donc, du coup, par exemple, on va regarder la girafe. Donc, du coup, on a une girafe level 7. Timing ping, normalement, on est en x5 parce qu'on est le serveur sur officiel. Donc, du coup, c'est du x5. Et donc, du coup, ça nous dit. Alors, la nourriture préférée, c'est la bitcrop. Bitcrop, mais on n'en a pas. Donc, ils nous disent qu'il nous faut juste deux bolas pour pouvoir finir de la tamer, sinon 3 ici, sinon 4 ici. Le temps, time, 20 secondes, je crois que ça c'est... C'est quoi ça? Ça je sais pas. C'est le temps de... Entre chaque fois où tu peux le nourrir, c'est... 5, non, maintenant je sais pas. Donc là ils nous disent genre 9, on va voir. En vrai on va voir. Genre, peut-être que c'est pas les bons trucs aussi. Mais c'est pour calculer. En fait, c'est un site, je pense qu'il doit marcher. Et c'est de votre côté, mais moi, je le connais pas du tout. Je l'ai découvert. Je me suis dit, ouais, peut-être pourquoi pas tester, tu vois, on va voir. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de capturer, de bloquer plutôt la girafe avec les panneaux. Comme j'ai fait pour le rhino. Donc on va essayer de la mettre à un endroit. On va essayer de la bloquer à un endroit où je peux craft tranquille. On va voir parce que là elle est avec le bâtiment je vais pas pouvoir crafter dessus. Donc si je mets ça hop devant elle, ensuite ça ici. Ah il est parti du mauvais côté, ok. Il serait parti de l'autre côté, ça aurait été bon, on va recommencer. Faut juste que j'anticipe là où il veut aller et que je lui mette les barrières dans la gueule. Il se fout de ma gueule, hein, c'est du troll. Hein. Tac, il avance, hop, il s'arrête. Ah. Et là, il part de l'autre côté. Quel enfoiré. Quel enfoiré. À mon avis, il faut les gros pièges pour eux. Ça marche pas comme le Rhino. Le Rhino. Ils sont un peu de tension, tu vois, les rhinos, ça passe mieux. Mais avec eux, je crois qu'ils sont. Ils sont plus chiants. Attends, là, t'es obligé de descendre en fait. Non, tu passes pas. Oh! Putain, mais j'y crois pas, quoi. Je veux réussir avec cette technique. Genre, je suis quelqu'un d'obstiné, moi. Allez! Là, il va passer de ce côté-là. Bam! Bam! Non! Non, il a pas osé! Il a pas osé! Il m'a pissé dessus! Non, mais je n'y crois pas, quoi! Il est passé au-dessus, ce con! Ah, du coup, ça marche vraiment pas? C'est vraiment pas possible de cette manière-là? Non mais j'ai la flemme de construire un gros truc les gars.
Y a pas un piège, vous savez quoi? On va continuer de looter vite fait ça. Et on va essayer de voir s'il n'y a pas un piège déjà existant. Parce que des fois, des mecs, ils posent, ils font leur piège. Et ils laissent la porte ouverte, comme ça, tu peux tamer avec leur truc à eux. Des mecs très sympas, j'aime beaucoup ce... cet état d'esprit, j'aime beaucoup. Ah, une girafe là aussi. Deux girafes. Oh, peut-être un piège. Oh, dis-moi qu'il est open pour tout le monde. Oh, ça serait le feu. Oh putain, c'est des génies. Nice. Mais viens là, toi, là, on peut faire. Donc du coup, on va poser le Teddy ici. J'espère que je vais pas crever parce que genre... j'ai une carence de trucs violettes là, rose. Lui, on va disable machin following. On va essayer de le mettre en mode passif. Passif ou neutre? Moi, je vais mettre neutre. On va voir neutre. Mais j'espère que je vais pas crever quand même. Là. Je vais perdre de la vie, je pense, à mon avis. Je peux pas me faire un petit feu au pire. Il me faut quoi? Du flint. On va se faire un... J'ai pas envie de prendre de risque, tu vois. Ça va me faire chier de tout recommencer. J'ai un petit feu. Tranquillement, on met du bois. De la viande. J'ai même pas de viande. Ah, lui, il doit avoir de la viande. Lui. Oui, il a de la viande. Lui. Tac. On fait cuire la viande. On aggro lui. Ah, du coup, les deux sont sur moi, quoi. Et j'en veux qu'une, hein. Et viens. Et viens. Il m'a touché ce bâtard. Oh, stop. Ah ouais, mais merde, il y a l'autre qui va m'attaquer du coup. Oh, le fils d'up. Lui, on l'a niqué, hein, pas le choix. Il est bien là, frérot. Je peux l'attaquer comme ça? Oh, nice. Voilà. Bon, je suis désolé les gars. Ah merde, attends, je suis képlo dans le corps. Ah mais j'avais pas le choix. Hein. Ok, donc du coup, paf. Là, on va pouvoir manger et récupérer des forces. Voilà, faire cuire tout ça, on va tout faire cuire, c'est quoi. Oh. Au pire, on pourra donner la bouffe pour les bottes. Alors, toi, on t'affaiblit. C'est une level 4. Ça devrait être rapide normalement. On l'affaiblit au max. Hop, je pense qu'on est pas mal là. Petite bola dans sa tronche. Hop là. Et là,
On s'approche de sa teuté, on longe son corps tranquillement. Oh, bâtard, il m'a touché. Non, mais parce que là, je veux pas crever en fait, frérot. Là, ça va pas le faire par contre. Là, ça va pas le faire. J'ai pas de lit, il faut que je crafte un lit en 2-2. Merde. Parce que tu vois, ça, c'est le genre de truc qui va te faire chier, tu vois. Te retaper toute la machin. Ah, et des bois. Okay. Hop. Oh, il a de la gomme. Ah, mais c'est pas ça qu'il veut. La gamme, lui, c'est de la gamme. Je comprends pas ce qu'il veut, en fait. Mec. Il faut ça, ça, hop, 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 tac, tac, tam, hop, et on est reparti. Ah, parce que s'il nous démonte, on est dans la merde. Hein. Donc du coup, il fait encore dodo, on va lui donner un truc, je sais pas, peut-être qu'il aime ça, je sais pas. Faut qu'on teste, hein. Donc à gauche, j'ai longé le corps à gauche, il m'a mis un... À droite aussi. Ok, ça m'a l'air d'être lourd à nourrir cette merde. Ok, bon, il va me tuer du coup. Ok, il m'a défoncé. Il faut trouver la frame à mon avis, parce que logiquement, il faut juste que tu longes le corps. Ah oh, putain, 2 minutes, non mais sérieux, comment c'est long. Bon, la girafe, on a récupéré nos stuff. Voilà. Donc du coup, on va essayer cette bouffe-là, je sais pas si ça marche. Tac, petit bola. Essayer de pas se faire niquer la gueule. Logiquement dans le dos je pense que c'est le meilleur endroit pour nourrir. Ouais non mais c'est une dinguerie en fait. Je vois pas l'endroit, la frame pour le nourrir. Ce côté là il veut pas. Ah. Ah putain. Mais oui mais c'est un délire pour le nourrir lui. Oh, il me touche quand même, hein. Je sais pas, moi, peut-être vers l'avant, comme ça. Ah ouais, non, l'avant, c'est mort. Hein. L'avant, évitez, les gars. Mais là, je perds tellement de temps, en fait. C'est relou. Ah, putain, mais il me touche quand même. Bon, alors, ce truc-là, il veut pas. Qu'est-ce que j'ai déjà essayé? Ça, j'ai déjà essayé. On va essayer celui-là, peut-être, maybe. Du coup, alors on a essayé ça, on a essayé ça. On a ça, peut-être qu'il va de la coca, peut-être qu'il va aimer. Ça non plus, et il me touche quand même. Hein. Putain, dingue. On va essayer ça. Il aime ça. Ah, il me touche, hein. Il me touche, il me touche, il me défonce. Je vois pas la frame. Vas-y, vas-y, nique-moi la gueule si tu veux. Je passe mon temps à crever. En vrai, non, tu vas niquer mon armure. Lui, ah non, si je vais le laisser en passif. Putain, je pensais pas que ça serait aussi galère à niquer, à tamer une girafe. Hein. C'est incroyable. On récupère encore et encore notre stuff. En plus, il abîme hein, mon armure. Pourquoi rien.
Est-ce que j'ai essayé ça? Je sais même pas si j'ai essayé ce truc. Donc du coup, ouais, j'ai même niveau d'Ebola là, je suis en train de niquer mes Ebola quoi. À cause de lui. Ça va être galère, hein. Mais je comprends pas. Hein. Oh mais c'est une dinguerie, mais c'est une dinguerie. Ouais, ça marche. Donc ces trucs-là, ça marche. Ouais, il faut faire des va-et-vient comme ça. Ouais. 3, 2, c'est bon. Oh, il m'a touché quand même. 28%. C'est tendu, mais c'est faisable. Hein. Du coup, on va essayer de se nourrir. Du coup, nous aussi, pour gagner des HP là. J'ai pas envie de crever, perdre le fil du truc. Comment là? 2. On va pouvoir le feed. Hop, non. Hop, feed. Ok, on est bon. On va essayer de faire comme ça. Il nous reste quoi? 6 bolas. Logiquement, ça devrait être faisable. Faut prendre la technique, à mon avis. Prendre le coup de main. 7. Oh, mais genre! Oh, il a bougé, madame. Wesh. C'est ma gueule, lui. Hop, feed. Ok, nice. 15 secondes. Est-ce que je vais avoir le temps? 13, 12, non, j'aurai pas le temps. On va le re-affaiblir, tant pis. On est sur une bonne lancée, faut juste qu'on évite de crever pour perdre du temps. On va... Ah ouais, il faut pas trop que je bouffe en plus, je suis dans la merde. Donc du coup, allez, vas-y, on t'affaiblit, frérot. D'accord, ça commence. Hop, on t'affaiblit, bien comme il faut. Hop. Dégage le pig. Oh mais putain! Non mais c'est une dinguerie! Ah, logiquement on devrait le tamer là. Hop. Combien on est là? Dix secondes. Il s'est déplacé en plus, cet enfoiré, t'es mort. Oh, il nous brain, il veut nous brain. Oh, what? Ok, c'est relou. Parce que là, je peux pas courir, je peux pas faire saut. Je peux pas manger, sinon je vais tourner en over, machin. Ok, on va tenter quand même de le nourrir. Ok. 86%, il y a peut-être moyen. On va attendre, on va rester tranquille. Là, on va rester tranquille. Level 4, hein. Level 4, il nous casse les yeux. C'est un délire. Allez, là, je crois que c'est bon. Feed. Nice. On va l'appeler FDP. Je vais pas dire, c'est un FDP, tu vois. Un ou une. C'est un FDP, tu vois. Lui. C'est une selle 3, du coup. Ah, équipe Seddle. Je pense que c'est une selle 3, du coup. Comment je vais faire? Je veux pas être équipe. Ouais, j'ai pas de selle sur toi. All right, man. Alright, donc du coup toi tu me suis, hein. Behavior, enable, disable offering, ouais, donc on va mettre, changer la target, medium, on va mettre l'autre, c'est quoi. Allez, on se pète. Enfin, on va devoir trouver le chemin pour se barrer. Behavior, toi on va mettre... Il est en lot, on va mettre du coup en attack your target. Toi, on va donner quand même peut-être un peu de bouffe. Access inventaire, on va te donner les trucs comme ça. Hop. Ça. Tu manges un peu, on est bien. Tac, tac, tac. Donc du coup, on n'a pas le quartz, mais le quartz, on pourra le trouver peut-être à un autre endroit, je sais pas. On va... Et... Attends, mais what, j'ai équipé mes...
sûr que j'ai fait la même erreur. Ouais. Je crois que j'ai fait cette erreur de ne pas prendre... Attends, je suis mort ici. Voilà. Chaque fois, j'ai fait l'erreur. Sors du corps pour pouvoir s'équiper. Voilà. C'est pas la première fois que je fais cette erreur. Ok, bon. Direction le bateau. Le bateau, il est où ? Après que je passe comme ça, est-ce que je peux passer dans la jungle? En fait, c'est la question, c'est ça. Est-ce que je peux passer comme ça tout droit? Oui, il y a un tiger là. On va le boomer. On va le boomer. Pas qu'il crève lui, hein. Oh là là, il a pris un dégât. Ouh, il perd de la vie, je peux pas monter dessus en plus. Ouais, régène frérot, fais gaffe. On va prendre vite fait sa peau à lui. Oh, j'ai pas pris la bouffe sur le feu. Merde, j'ai pas pris la bouffe. Oh, on tape. Nick. Du coup, on est où là? Ah ouais, on n'est pas du tout... non, c'est pas du tout ici que je vais aller, c'est de l'autre côté. Du coup, bah parfait, hein. On va récupérer la bouffe, la nourriture. C'est de l'autre côté qu'il faut aller. Voilà, mais la girafe, je sais même pas si elle va, pas, si elle va pouvoir passer partout, là. Hop, on récupère tout ça. Ouais, j'avais pas beaucoup de feu. Donc, du coup, ça a pas tout cuit, tant pis. Un beau perroquet là, j'aimerais bien le tamer aussi, mais. Mes flemmes. Donc, du coup, c'est sur la gauche qu'on doit partir là. Alors, est-ce qu'on peut trouver un chemin sur la gauche? That is the question, man. Ouh, le lac de fou quoi. Non, mais ouais, mais ça c'est galère. On peut peut-être passer par là. Ouais, on peut peut-être passer par là, on va essayer. En vrai, ça va être long, mais je pense que ça va être plus rapide par rapport. Par rapport à notre chemin avec les herbes et toutes les montagnes. Oh bah. Et bah c'est pas parfait ça. Mais il est là le quartz. Je crois qu'il y en a même peut-être sous l'eau. Et ils flottent eux ou pas? Ils flottent hein, logiquement. Attends, parce que du coup, il va falloir faire de la place là-haut. Oh, quoique, j'ai de l'espace. Je crève pas sous l'eau. Niveau de l'espace, là, t'es comment? Ouais, je vais peut-être mettre tout là-dedans. Là, du coup, on va te mettre le poids, 1500. Oh là, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On va se mettre bien les gars, on va se mettre bien. Alors, inventaire. Hop, on se vide. Bah, tu sais quoi, je vais te mettre ça là-dedans, je vais te mettre ça aussi. On va essayer de le remplir à gogo lui. Vu qu'il a plein d'espace. On va éviter de lui donner de la merde par contre. Je vais lui donner ça, tu vois. Voilà.
Du coup, il faudrait que je grimpe. Mais je sais pas si. Non, au pire, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le gamma. Hop. On augmente le gamma. Et on voit pas grand chose, mais ça devrait passer. Ah. Oui. What? Non, mais non. Mais comment il est mort, frère? Oh non, mais j'y crois pas, il faut que j'en retame une. Non, mais je rêve. Non, mais j'y crois pas. Mais c'est quoi cette guine que j'ai? Mais comment il est mort? Comment il est mort? Et pourquoi je suis en train de crever là? Non mais c'est buggy, frère. J'ai la tête sous l'eau et j'arrivais pas à respirer. Ok. Oh putain, je suis dégoûté. Mais putain, je suis dégoûté. Oh là là, je suis dégoûté. J'en ai marre. Ah putain, on va récupérer. Non, il faudrait que je refasse. Hein, de toute façon, là, il est blindé. On va lui dire de. Enable flowing. Trois bolas. Franchement, ça... ça. En vrai, ça peut le faire. Si je fais ça bien. C'est... Il faut, que j'y... faut pas que je me loupe en fait, je pense. Pas que je me loupe là. Même l'arc et tout. Faut pas que je me loupe. Level 10, allez, vas-y. Faut pas que je me loupe. Nourri, mais il m'a quand même tapé, je crois. Dis qu'il faut pas que je me loupe et je me prends des coups de sa mère. Putain. Ça me fait vite fait. Manger un truc comme ça. Allez, trois bolas, frère, c'est chaud, putain. Ouais, j'en ai plus que deux et je sais pas, ça peut peut-être le faire. Hein. La seconde. Je vais nourrir encore une fois. Ça peut peut-être le faire, hein, mais c'est close, close. Hein. Même les flèches et tout, je suis, ouais, je sais pas, il y a... Voyons sa mère. Il allait mettre un coup ce bâtard. Je suis à la moitié. Ouais, il m'a tapé encore ce bâtard. Logiquement, ça peut le faire. Hein. Faut pas que je fasse le con. Recule, 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 recule. Ok, là, logiquement, je l'affaiblis, je le tame. La vérité, je le tame là.
Là, je le tame, frère. Là, il est à moi. J'ai pas le droit à l'erreur. Close, 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 close. On fait un peu, vas-y, régène, frérot. J'aurais dû prendre, tu vois, là le petit monka, macaque, là, il m'aurait servi, tu vois. Dans la vie. Là, je l'ai pas donné à bouffer. Oh là 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 là. T'es sué, hein. 85. C'est faisable. Ouh, close. Ok, plus qu'un, il est à moi. 97% frérot, 97%. Là j'attends un peu, tranquille. Je crois que c'est, ouais, je vais peut-être 10 secondes. Et il est à moi. Il est clairement à moi, j'ai pas envie de... Et puis je vais peut-être pas prendre de... Vite, mais... Fils de pute. Alright, man. Alright. Ok. Machin, on va le mettre en l'eau. Ok. Donc lui, il va pas prendre l'eau. Moi, je te le dis direct. On va prendre un autre chemin. On va faire un petit transfert. On va le stuffer. On va faire le petit transfert. Comme ça, on va pouvoir récupérer encore un peu de quartz. Il y a trop de trucs à acheter là. Rosemary, tout. Comment je fais pour... Drop all. Ah voilà, c'est ça comme ça. Ça c'est quoi? Ça c'est un machin. Tac. Drop all. Ok, donc lui, il a du mal à venir là. Vas-y frérot. Comment il rend fou? Allez là! Bouge-toi le Hux, sort! Ça, j'aurais dû crafter une selle, hein. Putain. Bon, c'est une solution, hein, aussi, hein. Mais il est con! Il est con, frère! C'est un fils de pute qui est con. Oh bah. Oh bah d'accord, très bien. T'as des sauts et tout, frère. Ok, bah mais viens là déjà. Hop, on est arrivé. Voilà. Non. On est arrivé. Donne-moi ça. Ça, je sais pas si j'en ai besoin de ça. De la gum. Je crois que c'est ça qu'il voulait. L'autre, il me disait gum, mais je crois que c'est ça qu'il voulait. La gum. Ça sert à rien. Ça drop. Ah, vas-y, on va foutre là dedans, ça prend du poids, ça aussi. Et ouais, let's go. Tu restes là. Je veux dire, même aux deux de rester là, tu vois. Double flowing. Des double flowing.
Et deux, vous restez là. Pas bouger. Moi, je vais récupérer le... Ah putain, et puis ma pioche va se péter. Super! C'est un peu la galère, mais bon. Ah ouais, mais attends, si je coule là, ça me... Oh, je devrais réussir. Je devrais gérer là. Ah, c'est pas ça. Hop. Je vais crever comme un con. Putain, j'en ai marre. J'ai pas fait gaffe à ma stam. Ça le fait ou pas? Lâche. Attends. Ce fou là, on récupère. C'est mal foutu, hein. C'est tellement mal foutu. Ok. Je pense que ouais, vas-y, je vais récupérer le morceau là et je vais me péter. Ah, bon, bah, de toute façon, ouais, je pourrais utiliser la hache, mais nick. Là, j'en ai marre. Là, j'en ai un peu marre, tu vois. Donc, il va falloir, en plus, ça va être trop le trouver un chemin de retour. Bon, ok, du coup, j'ai ramené le bateau, hein, je pouvais pas faire la traversée, je me suis dit, bon, le plus simple, c'est que j'aille à pied, je le laisse ici. Un petit perroquet, là. Et je le laisse ici, et je ramène le bateau, tout simplement, hein, je pense que j'ai crafté. Alors, du coup, là, oui, j'ai crafté une petite selle tier 3, logiquement, c'est pour lui, hein. Je crois que c'est tier 3, ça, de toute façon. Hein. On va continuer à mettre des trucs dans le poids. Hop, tier 3, bien sûr, tier 3. Du coup, on va te foutre sur le bateau. Hop. Est-ce que je peux te move into... Alright, man. Toi. Mon petit Teddy. Hop. Les deux sont dessus, je pense. Look at that! On peut faire un screen comme ça, genre c'est pas mal quand même, un petit screen comme ça là. Je sais pas si ça va être la Mia. Plutôt beau gosse, hein, je trouve. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Hein. L'épisode il est énorme, faut que je fasse du montage. Ouais, je vais du cut dessus. Merde. Faire du montage. Ouais, sinon la vidéo est trop longue. Ça passe trop vite en fait. Ça passe beaucoup trop vite. Hop. Ride. Merci. Hop, oh, toi tu vas là. Est-ce que t'as des trucs sur toi, frérot? Non. Quoique si, quoi, il y a d'autres trucs. On va surtout récupérer ce que t'as toi. Inventari. On va tout prendre. Je vais juste te laisser. Je vais te laisser ça. Je crois que ces deux trucs-là, t'aimes pas. Je vais quand même te laisser ça au cas où, ça aussi. Je sais pas si t'en bouffes, mais bon. Et du coup, on va foutre le reste là-dedans.
Ça. Hop, hop. Je crois que c'est bon. Hein. Donc, du coup, on a récupéré le cobalt. Non, ça, c'était en off que j'avais récupéré, je crois. Je sais plus. Mais du coup, on a des gemmes, on a du quartz. C'est pas suffisant en vrai, c'est pas beaucoup. Ouh, c'est beau comme ça aussi là. Ouh là là. Holy shit, man. On va se faire une fin de vidéo ici. Une fin de vidéo ici, les gars. Bon, on a quand même avancé. On a récupéré une petite girafe parce qu'on en avoir besoin pour la base pour avoir récolté du thatch. On a récupéré des gemmes, ce qu'il nous fallait. Hein, de toute façon, genre la mission, c'était ça, c'était récupérer des gemmes. Et du quartz, on en a aussi pour faire des grenades et pour faire d'autres choses. Hein, bien évidemment, hein, ça va pas servir qu'à ça. Mais bon, principalement à ça pour les boss. Bah du coup il fait moche, merde. Ouais, ce temps. Donc du coup prochaine vidéo, du coup ouais le programme de la prochaine vidéo, je pense que ça va être du coup bah farmer, on va faire la navigation, récupérer. Ouais je crois qu'on va retourner à la base. Hein. Là on retourne sur le chemin arrière et récupérer peut-être les trésors sous-marins sur le chemin et taper peut-être un bateau ou deux de Damned. Je pense que ça va être ça le délire. Je pense que, et puis ouais direction la base. Voilà, je crois que c'est tout. Vidéo assez longue. Hein. Je sais pas, j'arrive jamais à m'organiser au niveau de. Bon, en termes de temps de vidéo, c'est chiant. Genre, ça passe trop vite sur ce jeu. Et puis le cut, il y a trop de cuts. En fait, il y a des trucs que j'aimerais cut, pas cut. Mais bon, bref, on s'en fout. On s'en fout, les gars. Je sais pas, je raconte pas vite. Mais du coup, j'espère que ouais, si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, les gars. Welcome à vous. Et lâchez un commentaire si vous avez des questions ou quoi. N'hésitez pas. C'était Night, les gars. Prenez soin de vous. Peace.